Numéro 73, c'est bien ça, né le 14 mars, présenté par l'associé de la Verre. C'est un produit, un mâle de Nirvana du Berlay, le jeune étalon. Quel on prend beaucoup, hein, le Nirvana du Berlay. Il a encore sailli 180 juments cette année, Nirvana du Berlay. Alors, j'ai promis pour nous 2 ans, ils vont se diffuser à partir de l'année prochaine, Nirvana du Berlay, également du Grand Vassalès. Chez Arnaud, Chaillé, splendide fils de Martaline, un grand exemple, vous avez troisième produit de la mer, signature du pain, et même gagnant à 3 ans en obstacle, donc précoce, donc, issu de la famille de Exit Wave. Il lui a fait une très belle carrière en France et en Angleterre, où il a gagné groupe 3. Robin de Charmoud également dans cette famille, qui a gagné Blue Monarch, autre cheval assez précoce. On trouve aussi Little King Robin dans cette famille. Zouchon, c'est passé par chez les gars, cette famille, puisque Oumayou, la suite de Chantazard, avait remporté le derby italien, groupe 1 à l'époque. Voilà, de nouveau, c'est des signes de bonnes touches de pâte, qui ont été tout à fait orientées sur les obstacles. Là, ça s'est fait avec le croisement de la 1 de 3e mer érigée par Romain Deschamps, le croisement avec Romain Deschamps, pardon. Et après, du coup, on fait de l'obstacle, de l'obstacle, de l'obstacle. On a des champs polyglottes, alors polyglottes avait la particularité lui, d'être capable de faire du plat aussi, puisque c'était le seul étalon de l'histoire des courses françaises à être sacré, c'était en 2013, en août. Meilleur étalon d'obstacle et de plat la même année, puisqu'il avait fait non seulement des grands sauteurs, mais aussi Solémia qui a gagné la deuxième. Voici donc pour le numéro 73, signataire avec un C.